Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte pour une nouvelle vidéo la famille. On se retrouve pour le troisième contenu de la journée. J'ai fait un live, une vidéo, la vidéo du comics. Et là maintenant on se retrouve pour les nouveautés de la mise à jour d'aujourd'hui. Il y a eu une mise à jour de contenu, donc sans téléchargement mais une mise à jour. Et on va parler un peu de tous les changements qu'il y a eu parce qu'il y en a beaucoup. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, ben n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. On parle de tout, on parle de l'actualité de Fortnite. On a fait tous les comics de Fortnite, on les a tous lus. J'ai sorti la vidéo du comics numéro 6, le dernier, à 16h aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup on parle des nouveautés de Fortnite, comme aujourd'hui on va parler des nouveautés de la mise à jour d'aujourd'hui. Code créateur dans la boutique Fortnite, NANX2S les gars, je compte sur vous pour le code créateur dans la boutique NANX2S. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc tout d'abord, le menu a changé à 14h aujourd'hui. Donc le menu de la fête cosmique est parti. Voilà, donc la fête cosmique c'est terminé. Donc l'événement des... et donc du coup en fait, le menu est redevenu normal. Donc le menu de la nouvelle saison de la saison 7. Et en fait, à gauche dans le menu, on a deux parasites qui sont apparus. Il y en a que deux pour l'instant, mais vous allez voir que dans le futur, il y en aura beaucoup plus. En fait, le menu va évoluer au fur et à mesure que, en fait, l'invasion qui a commencé à Holy Hatchery, qui était Holy Edge, va de plus en plus grandir. On va en reparler tout à l'heure, mais en gros, je vous montre toutes les évolutions du menu. Et en fait, à un moment, il y aura vraiment beaucoup de parasites à gauche. Ça voudra dire que la map est vraiment infectée des aliens. Du coup, l'infection espace à Holy Edge qui est devenue Holy Hatchery. Et en fait, on a un rectangle de gravité qui reproduit la gravité de la planète des aliens. Et en fait, c'est une gravité où on peut sauter à chaque fois. En fait, c'est comme de la gélatine. Et en fait, du coup, il y a les plantes aliens, etc. qui sont apparues dans cet environnement-là. Le rectangle va de plus en plus s'agrandir. Donc en fait, à un moment, Holy Hatchery sera entièrement dans le rectangle. Et du coup, il y aura des plantes partout. Et ce sera vraiment entièrement contrôlé par les aliens. Au moment où le rectangle fera toute la ville, il y aura tous les parasites dans le menu. Voilà, il y aura le menu qui sera infecté de parasites pour dire que Holy Hatchery est vraiment infecté au maximum. Donc voilà un des gros changements de cette mise à jour, mais vous allez voir que c'est pas le seul. On a aussi du changement au niveau de Believer Beach. Comme je vous ai dit, l'événement fête cosmique est terminé. Donc la fête à Believer Beach est terminée. La scène a disparu. La plupart des décorations, la musique, etc. a disparu. Et en fait, c'est l'heure au rangement. Voilà, tout est en train d'être rangé. Ils sont en train de nettoyer même les graffitis d'aliens, etc. La fête est terminée. Les aliens sont arrivés. On leur a souhaité bienvenue. Du coup, Believer Beach va de plus en plus devenir une ville normale. On a un nouveau boss qui a fait son apparition sur l'île. À ce moment, il est à Hydro 16, va changer d'emplacement plusieurs fois. Mais à ce moment, il est à Hydro 16. Il s'agit de Zig et Choppy. Et en fait, ils ont un pistolet laser mythique. C'est un pistolet laser très puissant. Pour l'instant, il se peut que vous ayez des bugs. Ils apparaissent pas, mais ils apparaîtront normalement soit ce soir ou soit demain. Mais en tout cas, ils apparaîtront à Hydro 16. Ce sera un nouveau boss qui vous droppera un pistolet laser mythique. Nouvel objet disponible dans cette mise à jour aussi, c'est les nanites. Les nanites, en fait, c'est une sorte d'objet alien. Et en fait, ça recrée le même rectangle de gravité qu'on a à Holy Hatchery. Voilà, c'est-à-dire que ça crée un rectangle de gravité exactement le même qu'à Holy Hatchery. Donc, quand vous rentrez à l'intérieur, vous pouvez vous déplacer facilement, etc. C'est exactement le même. Voilà, c'est exactement le même. Sauf que là, vous pouvez le mettre où vous voulez. On a les acolytes qui se sont déplacés. Ils étaient, comme vous le savez, au cabanon, vers là où il y a le cabanon de John Cage Bunker. Et maintenant, ils sont à Risky Reels. Donc, en fait, ils sont à Risky Reels. En fait, les voir. Donc, ils font en fait une ronde tout autour. Soit ils jouent, soit ils dansent, soit ils ont envie d'aller aux toilettes. Enfin, bref, voilà, ils font plein de choses. Et du coup, ils sont là-bas. Voilà, donc j'ai vu, vous étiez beaucoup à me dire, Anas, les acolytes sont à Risky Reels. Je suis au courant. Voilà, donc je suis au courant. Donc, voilà. Petite info en plus, on avait un mur qui était à Chicago, donc je vous l'avais montré. Un mur fait par un mec embauché par Fortnite pour annoncer quelque chose le 14 juillet. Et bien finalement, on avait raison, c'est en fait pour LeBron James. Voilà, LeBron James, c'est officiel, ce sera le prochain skin icon series de Fortnite. Donc du coup, LeBron James va arriver sur Fortnite. Et d'ailleurs, le graffiti qu'on a sur le mur à Chicago apparaîtra au terrain de basket sur les murs avant la prochaine mise à jour, donc la semaine prochaine à Believer Beach. Avant la mise à jour 17.20 la semaine prochaine, on aura le graffiti qu'il y a à Chicago qui sera apparu à cet endroit-là. Voilà, normalement c'est ça, si je me trompe pas.
Parlons aussi de l'avancement du vaisseau. Le vaisseau a pas mal avancé. Donc là, je vous affiche un gif depuis le début, vraiment depuis le début, jusqu'à où il a avancé. Et maintenant, je vous affiche une image d'aujourd'hui où il en est. Donc du coup, il est vraiment pas loin. En fait, nous on regarde l'ombre, mais l'ombre c'est juste en fait l'ombre du vaisseau. Le vaisseau est pas exactement là où il y a l'ombre. Le vaisseau il est un peu plus décalé. L'ombre en fait c'est un trompe-l'œil. On croit qu'en fait le vaisseau il est pile au-dessus de l'ombre, mais en fait le vaisseau il est un peu en diagonale. Et en fait l'ombre est projetée comme ça. Bref, donc du coup le vaisseau a pas mal avancé, se rapproche de plus en plus de Coral Castle. Et à la fin, le milieu du vaisseau, donc le mid, le rond, enfin le milieu quoi, du vaisseau, sera pile au-dessus de Coral Castle avant la 17.20. Donc j'imagine que la 17.20 qui sortira mardi prochain, quand elle sortira, Coral Castle ne sera plus là. Voilà, donc de toute façon, nouvelle mise à jour mardi prochain, ce sera le retour de Fortnite de vacances. Et dès qu'ils reviennent, il y a la mise à jour 17.20. Voilà, donc je pense que c'était tout pour les nouveautés d'aujourd'hui de la mise à jour. Vidéo assez courte, mais bon, je voulais vraiment résumer la mise à jour aujourd'hui. Vous ayez vraiment toutes les informations. Le comics numéro 6 est sorti, la vidéo est sortie. C'est sorti aujourd'hui à 16h. Vous cliquez sur mon nom, donc Nanas. Vous allez sur la chaîne, vous allez dans vidéo et vous cliquez sur la vidéo juste avant celle-ci. Et en fait, c'est la vidéo du comics numéro 6. Si vous l'avez pas vu, c'est très intéressant à regarder. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. En tout cas, bien évidemment, les gars, pour une prochaine vidéo, c'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang.